Yo les gars, on se retrouve pour un petit vlog confinement, une semaine avec moi dans mon confinement. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé et voilà, une semaine avec moi dans ma vie de confinée. Je suis pas grave blanche. Vous vous rendez compte quand même, le monde entier est confiné. La terre entière, tous les êtres humains sont enfermés chez eux. Donc on vit tous la même chose. Je suis grave mal cadrée. Je vais vous montrer ce que je fais de mes journées. Je suis chez mes parents à Strasbourg et je suis en télétravail. Mes journées sont quand même assez rythmées. Il faut que je me lève, je taffe, donc j'ai quand même pas mal de... J'ai quelques trucs à faire. Mais ça reste light et ça me permet de faire plein d'autres choses à côté et il faut quand même que je m'occupe. Donc je vais vous montrer ce que je fais, comment j'organise mes journées pour vous divertir, pour vous donner des idées. Je vous laisse avec la vidéo. Bon, il est 15h, j'ai plus grand chose à faire, ouais. Petit tips pour toutes les filles qui se lavent les cheveux tous les jours, tous les deux jours, c'est le moment, pendant le confinement, d'espacer ses shampoings, pas que ses cheveux graissent en plus de 2h. Donc là, moi, je les fais normalement, je les lave tous les... Je l'ai fait, c'est grave alsacien. Je lave mes cheveux tous les deux jours. Et enfin, le deuxième jour, je les trouve un peu gras, je suis pas bien et tout. Donc j'aimerais bien qu'ils soient propres plus longtemps. Et pour ça, il faut espacer les shampoings, sauf que impossible quand t'as des trucs à faire et que tu sors, enfin, impossible. Donc là, perfect timing, jogging, cheveux attachés, on s'en fout de sa dégaine. Période parfaite. On trouve des côtés positifs. Là, moi, c'est le troisième jour. En vrai, bah, ils sont pas sales. Bon, bref, on s'en fout. 3 minutes de blabla pour vous dire de ne pas trop laver vos cheveux et de profiter du confinement pour espacer vos shampoings. Voilà. Alors là, il est 16h30. Ouais, quasi 16h30. J'ai arrêté de taffer. Je vais m'occuper en rangeant. Donc, ouais, tout le monde dit. Tout le monde fait ça, tout le monde range, tout le monde dit il faut ranger, c'est le moment pour ranger, mais c'est vrai, c'est grave satisfaisant. Je pensais pas, j'avais vraiment ma phobie, j'avais un bureau en bordel, mais genre c'était plus, je vous montre des images là, c'était pas un bureau en fait. Et j'ai tout rangé, ouais, grave satisfaisant, et là je vais faire pareil avec ce que vous voyez derrière. Là, je vous montre, ouais voilà. En vrai j'avoue ça va. À faire comme vous faites du rangement, genre deep cleaning et tout, vous rangez même juste votre, enfin pas forcément des meubles, des trucs comme ça, mais votre chambre, quand vous cleanez votre chambre, faites des avant après, c'est trop bien, en vrai c'est trop satisfaisant. Vous pouvez faire des petites vidéos marrantes, moi j'en ai fait une sur TikTok. J'ai envie de commencer un challenge
tombée sur un 2 weeks app challenge, donc un challenge de 2 semaines pour les abdos, et ça a l'air de fonctionner, donc j'avais envie de tester, voir de faire les 2 semaines, déjà de voir si j'arrive à tenir et de voir si à la fin j'ai des abdos. Voilà, let's go. Je suis morte. Là, je vais chiller, faire, peut-être commencer à faire un peu de montage, regarder des vidéos et voilà. Je vais faire une petite pause TikTok. Voilà ma nouvelle passion, c'est vraiment trop addictif cette appli, un truc de ouf. Je vais essayer d'apprendre une petite danse en 15 minutes chrono. Ok, en gros, je suis une youtubeuse qui s'appelle Clémentine. Clémentine M. Elle a fait une choré, donc c'est une danseuse et elle a fait une choré sur Dojo Cat Boss Bitch. Elle avait fait un petit tuto et moi aussi j'adore danser, donc je vais essayer de la reproduire. Je suis déjà essoufflée du TikTok. Let's go. C'est parti. Allez, 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 c'est trop lent, c'est trop lent. On va dire mission à moitié réussie. En vrai elle est cool, j'ai fait ça en je pense une demi-heure. Bon, je l'avais déjà regardé en boucle hier dans mon lit, en train de danser comme ça. Ça va vite mais c'est faisable. Ça fait un petit workout en vrai, hein. Je suis essoufflée. Donc celles qui veulent l'essayer, je vous la conseille. Sport aujourd'hui, hein. Entre les TikTok, la danse et le sport, on se retrouve
au dîner. On se retrouve, il est 16h, j'ai arrêté de bosser parce que j'en avais marre. Là je vais essayer de tourner une vidéo lookbook, en tout cas je vais essayer de regarder, je vais souffler une escalier. Je vais essayer de mettre en place le décor, le setup, voilà, voir ce que j'ai important que j'aimerais bien utiliser. Je vais essayer de le déplacer, mettre les fringues dessus, faire un truc un peu sympa. C'est horrible. Ah, pas du tout. Ok, ça va pas le faire là, je crois. J'ai une autre idée, je vais vous montrer. En gros, ce que je pensais faire, c'était garder la chaise, la tourner, faire un petit coin un peu avec la lampe, mettre une plante et mettre le portant. Et avec le tapis, je pense que ça rendra bien. J'ai préparé mes petites tenues. Et voilà, si vous voulez voir les tenues portées un peu sympas, abonnez-vous et restez connectés pour la vidéo lookbook. Monsieur, acceptez-vous d'être filmé pour votre talent de pâtissier? Il faut vraiment la faire la plâtre. Yes. Elle a une gueule de tarte assemblée. La partie la plus importante que tout le monde oublie. Faire le petit trou. Ensuite, poser la base de tarte. Boken gourmet. C'est au moins la cinquième fois que je fais une tarte comme ça. Il faut que ce soit généreux, il faut que ce soit crémeux. C'est pour la gourmandise. Et là, tout est dans la gestion de la taille. Ensuite, il faut regarder un peu lesquels sont de la bonne taille. On va faire une petite rosace. C'est un travail manuel. Hein. C'est un travail d'artisan. Tu vois, le débutant, il mettrait ça ici. Non, ça va. Non, non, non. Les petits, on les garde pour la fin, quand ça tourne plus fort. L'œil avisé sait reconnaître les spécificités de chaque tranche. Tu dois bien repartir le chef. Il est 10h. Ça fait ça aussi quand vous oubliez de vous lever. Tu te réveilles un peu en panique, donc tu sautes du lit. Après, t'es saoulé. C'est un peu au mood là, donc on garde le smile. J'ai fini de bosser, là je vais m'atteler à ma petite activité du jour qui sera, je vais tourner une vidéo DIY. Donc je vais créer des petits objets de déco avec du macramé. Je vais aller voir dans mon grenier ce qui traîne, ce qui pourrit, ce qui n'est plus utilisé, des trucs, je sais pas, des cadres, des lampes et tout, pour faire des DIY avec. Let's go, on va voir ça. C'est une poubelle en plastoc Ikea. Petite lampe là. Pourrie, et celle-ci qui était à moi avant, donc il y a moyen de faire un truc avec.
quoi.